Bonjour, bienvenue sur la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une recette de pêche à la sauce caramel, un dessert de saison, très vite réalisé. Alors, pour 4 personnes, il vous faudra 4 pêches coupées en deux et dénoyautées, 50 g de poudre d'amande. Pour la sauce caramel, il vous faudra 125 g de sucre roux, 5 cuillères à soupe de sirop d'érable, 25 g de beurre et 150 ml de crème fraîche liquide. Alors, pour commencer, nous allons retirer le noyau de chaque demi-pêche. Et placer les demi-pêches sur une feuille de papier aluminium. Nous allons recouvrir ces pêches, mais saupoudrées de poudre d'amande. Et on va refermer le papier d'aluminium de manière à faire une papillote bien hermétique. Alors, pendant que nos demi-pêches cuisent sous le grill, nous allons réaliser la sauce en mélangeant le sucre, le beurre. On porte le tout à ébullition pendant environ 3 minutes jusqu'à ce que la sauce épaississe un peu. Hors du feu, on va rajouter la crème fraîche que j'ai faite un peu tiédir au micro-ondes. Et on va remettre sur le feu jusqu'à la reprise de l'ébullition. Voilà, alors maintenant nos demi-pêches sont cuites. Donc on va les retirer de la papillote, sans se brûler si possible. On va les placer dans une coupelle. Et on va les arroser de notre sauce caramel. Je vous laisse juste imaginer l'odeur qui se dégage de la coupe. C'est un vrai régal. Voilà. Et pour la déco, le petit plus, ben, ce sont des amandes effilées que j'ai fait torréfier au four. Quelques minutes. Voilà. Donc, des pêches à la sauce caramel. Bonne dégustation!